voilà, c'est encore nous, on se la ramène pour aujourd'hui encore. Question de vous signifier, en son et en image, pourquoi le Cameroun est appelé Afrique en miniature, véritable concentré, je ne cesserai jamais de le dire, du continent africain. Ravi de vous retrouver sur Cameroun Vision pour aujourd'hui encore, pour une édition qui consacre, on va dire, une compétition pour Miss au Cameroun. C'est quelque chose d'inédit sur le continent africain. Il s'agit de l'élection de la plus belle femme de plage au Cameroun. Le casting Miss Beach édition 2017 qui sera consacré dans cette autre édition du Cameroun Chevaux. Voilà. Une édition 2017 de Miss Beach qui consacre le 9e numéro de la série. Nous en serons aujourd'hui aux étapes de Bamenda, de Chang et de Yaoundé. Parlons de ces castings. Après être passé par Douala, on s'en souvient, dans l'avant-dernière édition de Cameroun Vision, avant de revenir proprement au bikini et autres Bermudas, direction l'invité du jour. L'invité du jour qui n'est personne d'autre que le directeur Cameroun et Afrique centrale de Jumia. Jumia qui a commis récemment le classement mondial de la compétitivité où le Cameroun arrive en 25e position sur 34 pays africains. On va donc avoir une bonne quinzaine de minutes d'entretien avec le directeur Cameroun et Afrique centrale de Jumia. Jumia qui en profitera pour se présenter et vous dire un petit peu quel est son cahier de charge, on va dire, auprès des populations du Cameroun. C'est un entretien que signe le doyen Jean-Vincent Chinéa. Pour cette rubrique invitée que vous allez retrouver souvent dans notre émission Cameroun Vision, nous avons avec nous Tom Hurier, qui est Country Manager, directeur pays de Jumia Travel. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes... Donc, comme vous l'avez dit, je suis Tom Hurier, le directeur de Jumia Travel au Cameroun et dans les pays environnants, à savoir les deux Congo, le Tchad, le Gabon, Sao Tome et Principe. Est-ce que vous pouvez nous parler de Jumia de manière générale ? Jumia se veut être la première entreprise de e-commerce en Afrique. Ça a été créé il y a quelques années, c'est une entreprise assez jeune qui est présente dans la quasi-totalité des pays d'Afrique. La plus grosse division est la division qu'on appelle tout simplement Jumia, qui permet de réserver, d'acheter des smartphones, des climatisations, des frigos en ligne, un peu de tout. Donc qui est la première division de Jumia. Ensuite, on a la division Jumia Travel, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'occupe de la réservation d'hôtels. Alors, Jumia est présent au Cameroun depuis 2013, et Jumia Travel est présent depuis 2014. Donc ça fait 3 ans, c'est tout récent. Qu'est-ce qu'on propose sur Jumia Travel ? À la base, on proposait uniquement la réservation d'hôtels. Un petit peu comme Booking, qui est plus connu pour l'instant. On propose justement, vous pouvez aller voir différents hôtels sur notre site et réserver le vôtre. La spécificité, si on compare avec d'autres acteurs, c'est que nous, on donne la possibilité de payer à l'hôtel, c'est-à-dire qu'on peut réserver sans payer à l'avance. Ensuite, on a lancé les flights il y a environ 2 mois. Donc, on peut maintenant réserver des vols partout dans le monde depuis notre plateforme. Et enfin, on est en train de développer, c'est encore un projet, ça existe déjà dans certains pays comme l'Algérie ou le Sénégal, tout ce qui est package. Donc, la possibilité, en ce moment, je sais que par exemple, le bureau de Dakar s'occupe d'un package à Dubaï, donc vous pouvez acheter un séjour tout frais compris pour Dubaï. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place réellement au Cameroun, mais qu'on est en train de développer. Donc, on est parti d'un site de réservation d'hôtel et aujourd'hui, on se dirige vers une vraie agence de voyage en ligne. Alors, comment ça se passe pour les hôtels ? Quel intérêt j'ai à réserver mon hôtel à travers Jumia au lieu de téléphoner à l'hôtel directement ? Déjà, le client va trouver plus d'hôtels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains hôtels ne sont pas forcément référencés sur Internet parce que de par leur taille, ça leur coûterait trop cher en investissement de se créer une page Internet ou tout simplement les hôtels n'y pensent pas forcément. Donc, ça permet au client d'avoir plus de choix puisqu'il va avoir la liste des hôtels. Pour l'hôtelier, c'est très simple. Il nous envoie des photos, une description et on s'occupe de tout le reste. Donc, je dirais que l'avantage pour le client, c'est le choix. Le premier avantage. Ensuite, il a aussi la possibilité de voir les reviews des autres utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous tapez sur Google, imaginons qu'on trouve un hôtel. Hôtel numéro 5 à Bafoussam. Qu'est-ce qui vous dit que c'est un bon hôtel ? Si vous ne connaissez personne qui allait, vous ne pouvez pas vraiment savoir. Or, là, vous avez la possibilité de voir, par exemple, les commentaires des autres utilisateurs qui y sont passés. Vous pouvez laisser un commentaire. Est-ce que les hôteliers sont contents ? Vous leur prélevez quelque chose après ?
Globalement, oui, puisqu'on a tout l'investissement marketing qui finalement est fait pour les hôtels, se fait à notre charge. Donc bien entendu qu'on doit avoir une certaine compensation financière avec eux, mais globalement les hôteliers sont très contents, mais ça leur donne de la visibilité qu'ils n'avaient pas avant. Notamment pour les petits hôtels qui ne sont pas sur Internet, justement ils voient arriver des nouveaux clients, à la fois des clients camerounais, mais aussi des clients internationaux. Donc oui, les hôtels globalement sont très contents. Alors, vous avez donc un rapport qui nous présente des choses mirifiques, mais en même temps, il y a un autre rapport qui vient d'être publié. C'est un rapport du Forum économique mondial, le Forum de Davos, mondialement connu. Et on dit dans ce rapport que le Cameroun fait partie des 10 pays les moins attractifs du monde. Nous sommes classés, je crois, 126e, 127e ou 126e sur 136 pays. Donc, sur certains critères comme les prix, les infrastructures, l'hygiène et la salubrité ou la sécurité, nous sommes très mal placés. Alors, que vous inspirent ces mauvaises notes? Sont-elles méritées? Tout d'abord, je tiens à dire que c'est extrêmement dommage parce que, comme on l'a expliqué rapidement précédemment, le Cameroun a un énorme potentiel avec tous ses sites touristiques, un héritage culturel extrêmement fort. Parce que, comme beaucoup de gens le rappellent, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc, il y a ce côté culturel qui est extrêmement important. Au niveau des paysages aussi, vous avez des paysages extrêmement variés, extrêmement divers et extrêmement beaux. Donc, tout d'abord, c'est dommage. Ensuite, je pense que derrière ce classement, il doit y avoir une certaine réalité. Pour l'instant, ce que j'ai remarqué en allant dans les hôtels, c'est des fois un manque de professionnalisme du secteur. C'est-à-dire que, je vais vous donner un petit exemple, je ne vais pas citer de nom, mais j'étais dans un hôtel à Kribi. L'hôtel était, la vue était magnifique, on avait vue sur toute une plage. Et à côté de ça, une prise sortait du mur, la cuvette sur les toilettes était par terre. C'est des choses, ça, c'est extrêmement simple de les réparer. C'est pas compliqué, c'est des petits investissements. Donc je trouve ça dommage en fait qu'on ait une vue extrêmement belle sur la plage, qui pour le coup c'est compliqué à avoir, il faut acheter le terrain, construire l'hôtel au bon endroit. Et que donc de gros efforts à ce niveau-là ont été faits, mais qu'à côté, de petites choses qui demandent très peu d'efforts pourraient énormément accroître l'attractivité. Ensuite, on a tous les problèmes d'insécurité qui donnent une mauvaise image, une image d'insécurité aux arrivées internationales. Donc ce qui peine, encore une fois, à attirer les touristes. On peut aussi citer, je pense, les infrastructures, comme vous l'avez dit, et comme le rapport du forum le préconise, un développement des infrastructures pourrait être moteur pour le tourisme. Mais là, je pense qu'on entre plus dans des questions plus macroéconomiques qui ne dépendent pas uniquement de ce secteur. Et avec la situation actuelle, la crise pétrolière, des choses comme ça, l'heure n'est pas forcément à... difficile. Et pour revenir à votre rapport, par exemple, vous dites qu'il y a un seul hôtel 5 étoiles au Cameroun, alors que le Gabon ou la Guinée équatoriale en ont plusieurs. Exactement, donc il n'y a que le Hilton à Yaoundé qui est le seul 5 étoiles du pays. On pense que c'est des choses qui vont changer et on espère que justement avec cette professionnalisation du secteur, que certains investissements à la fois camerounais ou internationaux vont arriver pour développer des nouveaux hôtels. Mais en effet, c'est une des particularités du Cameroun qui est quand même un pays avec une population assez élevée comparée à certains pays aux alentours et pourtant un seul et unique hôtel 5 étoiles. Ça pose des questions. Alors, voilà. Vous pensez que la CAN en 2019 va peut-être aider à booster, puisque la CAN, par exemple, on oblige les villes qui accueillent les Jeux à avoir au moins un 4 étoiles. Peut-être qu'il y aura un opérateur qui poussera plus loin cette obligation. Je pense que oui, dans le sens où on va être en face de la réalité. C'est-à-dire qu'on va voir, il y a des milliers de personnes, voire des millions qui vont arriver pour voir les matchs de football. Ça donne une visibilité incroyable au pays, dans toute l'Afrique, mais aussi dans le monde, puisque la CAN est suivie partout dans le monde. Donc, on est obligé de faire des efforts. C'est-à-dire qu'on va être obligé de remettre à neuf, de rénover, d'éventuellement développer d'autres hôtels.
Et d'autant plus que la population qui va venir voir ces matchs, c'est une population internationale habituée à des hôtels de standing. Donc, pour moi, c'est tout ou rien. Soit, après, encore une fois, c'est uniquement mon point de vue, mais soit l'hôtel, comment dire, l'industrie va comprendre le challenge et le relever, et ça va être un réel boost, un réel moteur pour la croissance future, ou alors ça ne sera pas le cas et ça va empirer l'image du secteur actuellement. Mais je pense honnêtement que la première solution sera en dehors de l'effet éphémère qu'est la Cannes 2019. Comment voyez-vous l'avenir du tourisme camerounais selon Jumia? Selon nous, il y a un grand côté de professionnalisation. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est on met en place de temps en temps avec des hôtels des formations. On demande aux hôtels, c'est comment dire, de mettre en valeur leur hôtel, de savoir prendre les belles photos pour que leur hôtel donne envie. Sur Jumia Travel, on veut aussi mettre en avant les destinations, pas uniquement l'hôtel. Et je me souviens, une fois, il y a une personne qui nous a dit, une Camerounaise qu'on a rencontrée à Douala, qui nous a dit « Je découvre le Cameroun au travers de Jumia Travel ». Donc, on veut aussi donner cette envie de voyager. Donc, par exemple, là, on va faire une opération dans quelques jours qui va se concentrer sur démocratiser le voyage. Donc, en fait, on va proposer des hôtels très peu chers pour permettre notamment à des gens qui, avant, n'avaient pas les moyens de pouvoir aller à l'hôtel, donc de pouvoir aller en vacances, même si c'est pas forcément loin. Quelqu'un qui habite à Douala pourrait aller à Kribi, à Limbé. Et c'est des gens qui n'avaient soit pas les moyens, soit qui ne pensaient pas, qui se disaient l'hôtel, c'est quelque chose de cher. Alors qu'en fait, on peut trouver des hôtels très abordables. Donc, il y a, comme je disais, ces deux côtés, à la fois le côté professionnalisation du secteur et démocratisation, où on donne envie aux gens de voyager, on leur présente les choses, et après on fait quelques autres petits événements. Par exemple, on organise une remise de trophées aux meilleurs hôteliers. Donc, encore une fois, ça va donner envie aux hôteliers de s'améliorer, une sorte de petite compétition qui peut être très bénéfique, émulatrice. Et on va aussi organiser des sortes de visites de sites avec des journalistes pour justement que à la fois le Cameroun, mais les pays aux alentours connaissent les différents sites à voir au Cameroun et qu'on augmente le nombre de visiteurs à la fois internationaux mais aussi nationaux. J'ai l'impression que vous insistez beaucoup pour que les nationaux commencent à apprécier leur pays, le Cameroun. Exactement. C'est ce que je vous disais, la personne qui nous a dit « je découvre votre pays, je découvre mon pays sur Jumia Travel », c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai que les gens, j'ai l'impression, ne vont pas forcément penser à aller se faire un week-end à tel endroit ou à tel endroit. Donc notre but, c'est vraiment de promouvoir ces destinations qui sont souvent magnifiques en les mettant en avant sur notre site. Par exemple, quand on va taper telle chose ou telle chose sur Google, on peut tomber directement sur notre site qui va vous proposer d'aller à tel hôtel pour des prix assez attractifs. C'est-à-dire qu'on fait énormément d'investissements nous-mêmes sur les prix pour faire en sorte que les prix soient vraiment attractifs et que tout le monde puisse, tout le monde ou la quasi-totalité puisse voyager. Et ensuite, il y a ce côté des packages où on va développer des choses tout compris. Donc, vous allez sur notre site, vous passez un coup de téléphone au service client, il vous explique, alors là, vous allez prendre tel bus, et après, vous allez dormir à tel hôtel, la journée, vous aurez telle visite, tout sera pris en charge. C'est des choses qui facilitent le voyage. Merci infiniment, monsieur Thomas. Merci beaucoup à vous. Le directeur pays de Jumia Travel. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette nouvelle rubrique de Cameroun Visite. Ah, merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Voilà donc à vous présenter Jumia et ses missions au quotidien. Jumia donc représenté par son directeur, son jeune directeur j'allais dire, Cameroun et Afrique centrale. Un entretien qu'a signé le doyen Jean-Vincent Tchénéum. Désormais vous savez pourquoi, le Cameroun est 25e sur 34 pays africains au classement mondial de la compétitivité. Vous en savez aussi suffisamment sur les missions quotidiennes de la plateforme Jumia.
Retour donc, on va dire, au sommaire annoncé dès le départ. Il s'agit de la série de casting Miss Beach édition 2017 que nous avons enregistrée lors des deux dernières semaines. Après Douala, où nous étions, et Douala qui avait consacré les premières qualifiées pour cette grande finale de mai prochain du côté du Semi Beach Hotel de Limbé. Il s'agissait de 5 représentantes pour la région du littoral précisément. On va prendre la direction de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Bamenda qui, il y a deux semaines précisément, lui aussi a fait ses 5 candidates pour la grande finale de la plus belle femme de plage au Cameroun. Et pour ceux qui ne le savent pas, retenez tout simplement que l'élection Miss Beach est un concept de Yann Anoko, le directeur du Semi Beach Hotel de Limbé, qui a tout simplement eu, on va dire, l'heureuse idée de consacrer chaque année, et ce depuis 9 ans déjà, la plus belle femme de plage au Cameroun, celle-là même à qui il y revient, comme cahier de charge, la promotion du tourisme balnéaire au Cameroun. Pour cette année donc, après le littoral, direction le nord-ouest pour voir qui sont les 5 consacrés pour représenter cette sympathique et belle ville de Bamenda, à qui nous disons bonjour ou bonsoir. Moteur. Gilles Martin Ferregola. Nyoma, allez Nyoma, 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 Nyoma. Jay Martens. If you see my langa. Après Douala, voici la caravane casting Miss Beach 2017 à Bamenda. Elles arrivent majoritairement des lycées et universités de la ville et se débrouillent comme elles peuvent pour défier peur et stress. Question de se mettre en confiance. I am well confident that I'm going to make it big. Even if I don't win, the fun will still be alive. Moi, je suis pas stressée. Par contre, je suis très relaxée, très zen. Parce que pour moi, que je sois sélectionnée ou pas, c'est une expérience, une nouvelle expérience que j'acquiers. C'est ma première fois de faire d'avoir à faire un casting et je suis très heureuse. Je suis plutôt zen. Hello everyone, I'm called Emerencia. I'm a student at the University of Bamenda and this is my second time of participating in Miss Semi Beach. I'm just here like thinking, meditating on how I'm going to like undertake what I'm to do. And I'm just seeing myself being a winner, even though I'm tense, but I know that when I'm on stage, I'll make it. Moi, c'est Ako Rachel. Je suis élève à Progressif. Je fais science à terminale. Donc, je ne suis pas stressée. Bon, je suis la joie en fait d'être ici parmi les autres, de montrer ma beauté, ce que je peux faire dans mon pays. Et je vous remercie quand même de me prendre jusqu'à ce point. Donc, c'est pas la première fois que je me présente à vous comme vous. Donc, c'est ce qui me rend plus confiante. J'ai confiance en moi. Hello everyone, I'm Kinko Silia and I'm one of the contestants for Miss Beach. I am 25 years old and I am a student, yes, and I'm ready for the competition and I'm a little bit tense because it's something normal when you're going for a competition, you are a little bit tense, but then it's a competition, that's the best. Voilà le jury, lui aussi prêt, juste un mot pour les candidates. Je dis bonne chance à tous les candidates et les chances sont... Les hostilités peuvent donc être lancées avec le passage en maillot de bain, collectif d'abord et individuel ensuite. Thank you.
des passages correctifs en vague de 10 qui justement aboutiront à la sélection de 10 candidates pour le dernier tour. Le jury se faisant le devoir d'apporter quelques précisions sur les critères de choix avant la proclamation des résultats. À cet effet, les jurys ont fait leur travail. Les jurys ont eu un dur labeur avec le regard, avec critique sur la beauté camerounaise, sur le physique, sur le teint, sur les pédicules, manicures, sur le sourire, sur toutes les coiffures et surtout vers l'épilation. Et actuellement, nous allons donner les 10 candidats qui vont continuer la course. Les voici donc déjà en mode ethnosheet. Les 10 candidates aux 5 places d'ambassadrice de la région du Nord-Ouest à la grande finale de mai prochain au Semi Beach Hotel de Limbé. Le passage collectif laissera place à celui individuel, ponctué par un test à la culture générale des candidates et surtout à leur projet pour la promotion du tourisme balnéaire au Cameroun. Le nom du président du comité d'organisation Miss Beach Cameroun. Miss Beach Cameroun s'appelle Yann Anoko. First, I'll start by saying that I will continue with the project I started, which is helping children, the orphans, and the girls whose rights have been abused by our parents, boys, and how we know they used to remind girls. Citez-moi deux sites touristiques dans le Nord-Ouest. Sabé Mirage, de Trouve et un an, Sabo Gansi, puis se trouvent à Patricia. Good evening. Good evening. Les dates des différentes régions. 14 mars pour la Nord-Ouest région. Le 15 mars pour la West region. Et le 13 mars qui est held à Yaoundé. Après évaluation de la totalité des candidates, voici le résultat final. Cinquième dauphine, Njilifak Gwendoline. Wow, please clap for her. Les voici donc, nos 5 ambassadrices de la région du Nord-Ouest. I don't really have much to say. I'm really excited right now and I'm very happy. And I believe that me starting from here is like a stepping stone for me because I'm going to bring back the 3 million francs CFA back to the Northwest region. I am very sure and confident about that. I don't know what I can really say, but I'm quite happy, really happy, because I'm one of the 5 that have been selected for the finals of the Miss Beach competition in the Southwest. Très émue, je suis très contente. La compétition a été très intense et j'arrive pas à y croire, je suis vraiment fière de moi. Most of my friends were also among the competitors and I really enjoyed what they did, the catwalk. They are all very pretty but there's always only one miss at the end, so kudos to them, I wish them all the best. Actually, I really loved the ceremony was well, it was enough exhibition and we really loved it. We wish that next year the event will be better than what we had this night, though it was wonderful.
Miss Beach cette année à Bamenda a été bien passée. On souhaite que ça va revenir l'année prochaine parce qu'on a vu très belle. Il y avait plusieurs belles filles. On espère qu'il y aura plus en plus de belles filles l'année prochaine. Je crois. Rendez-vous à Chang, à quelques kilomètres seulement d'ici. Pour le troisième arrêt de la caravane, Casting Miss Beach 2017. Bamenda, où désormais on peut nous regarder via Internet, hein, relativement à toutes les applications qui vous donnent l'ouverture sur Cameroun Vision, aussi bien sur Facebook que voilà, sur les autres petites applications vous permettant de regarder les chaînes de télévision qui relaient cette production qui a été mise sur pied exprès pour promouvoir la destination Cameroun touristiquement s'entend, un tourisme qui se fera avec le balnéaire ou ne se fera pas. Ça, Yann Anoko l'a très bien compris. D'où le concept, je vous l'ai dit tantôt, Miss Beach. Miss Beach qui a consacré ses 5 Miss du littoral et Miss Beach qui, comme vous l'avez regardé dans ce reportage, vient de consacrer ses ambassadrices de la région du Nord-Ouest. Juste à côté, à quelques kilomètres seulement, on va prendre la direction de Chang, département de la Ménois dans la région de l'Ouest Cameroun, pour voir quels sont les 5 qui représenteront, on va dire, en termes de complémentarité, l'ère culturelle Grassfield, parce qu'il faut dire que l'ère Grassfield au Cameroun va de l'ouest au nord-ouest. Nous avons déjà les 5 candidates du nord-ouest. Allons compléter l'ère Grassfield du côté de Chang au travers du casting organisé de ce côté-là. C'était quelques jours seulement après Bamenda. Moteur. Tu prends un nom, président Salayo Wanga. Beautiful baby, ton style, ton déhanché, oui, chérie, je suis conquis. L'ambiance sur le parcours est bon enfant, malgré la concentration qui gouverne un peu les visages. La caravane Casting Miss Beach 2017 est en route pour Chang, après Douala et Bamenda. Nous voici donc sur le site de l'événement, le lac municipal de Chang qui fait face au musée des civilisations locales. L'heure est au branding et à la réception des invités. Et nos candidates déjà se préparent pour l'assaut final. Les y voilà donc, passage en maillot de bain d'abord comme dans les cas précédents. Collectif d'entrée de jeu et individuel ensuite. Le jury, après concertation, dégagera ces 10 dernières candidates déjà en mode ethnosheet. Et à l'épreuve individuelle, malgré la pluie, l'invité surprise. Et c'est le
sur le plan international, d'autres plus. Tout d'abord, je vais faire en sorte que la beauté africaine prône sur tout le territoire africain et à l'international aussi. Je voulais aussi promouvoir la beauté nature, la beauté africaine et montrer tout ça parce que de nos jours, toutes les filles veulent se comporter comme les autres personnes, comme les blancs. Mais moi, je suis là pour montrer cette beauté africaine. Merci. Donnez-moi le nom du directeur de Sénébic. Il s'appelle Yang Anoké. Nommément, celles qui sont retenues. Et dans un deuxième temps, celles qui vont passer à... Il s'agit de Mlle Ngwande Jeanne. Suivi de Mlle Fotso Mafu. Et enfin, Mlle Kindo Diane. Le public, donc, ici, a apprécié Mlle Kindo Diane. Les 50 dates sélectionnées, elles vont participer à la grande finale le week-end 25 à Limbé. Et on va remercier tout le comité d'organisation de l'événement. On va remercier tous les partenaires. I feel very happy. I didn't know that I will be achieving this kind of thing and I'm very proud of myself. Je suis vraiment heureuse. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais arriver jusqu'à ce point. Franchement, j'ai dit merci vraiment à Miss Beach. Franchement, je suis très contente, très très contente. I'm overwhelmed with joy. I don't just know what to say. I'm just so happy. So proud of myself. Thank you so much. Très heureuse. J'espère donner mon meilleur pour la suite. Pour moi, le chant a été très effectif et surtout basé très réellement. Les jurys ont vraiment fait leur travail et la finale nous réserve beaucoup de surprises. Elle sera très rude, très 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 rude. Surtout les filles de l'Ouest, allez de l'avant, non contre nous. Elles sont donc désormais connues. Les 5 ambassadrices de la région de l'Ouest à la grande finale de Limbé. Rendez-vous du côté de Yaoundé pour la 4e étape. Voilà, une région ouest du Cameroun où nous nous faisons l'obligation de faire un petit coucou à son Excellence, Monsieur le gouverneur Awafonka Augustine, ainsi que toute sa famille. On va dire tout simplement de cette étape de Tchang, qu'elle fut l'une des étapes les plus disputées, dans la mesure où, de ce côté-là, le jury n'a pas eu la tâche facile, un petit peu comme dans les étapes précédentes, parlant bel et bien du littoral et du nord-ouest. De toute façon, l'aire culturelle Grassfield, à savoir Bamenda et Tchang, sera bien représentée pour une compétition finale qui aura droit de cité du côté du Semi Beach Hotel de Limbé au mois de mai prochain. Il faut dire que la compétition sera franchement très très disputée de ce côté-là. Ceci d'autant plus que le centre, parlant bel et bien de la région du centre, le centre a donc aussi fait ses 5 candidates et pas des moindres. On va suivre le reportage qui suit pour en savoir suffisamment relativement au fait que voilà, ce fut l'une des étapes, ou alors l'étape la plus relevée, même jusqu'ici, au vu des dires du jury. Ce fut l'étape la plus relevée parce qu'on a eu pratiquement une 70aine de candidates qui, à coup de déhanché, se sont suffisamment mesurées. On va dire sur les tapis rouges du casting de la caravane Miss Beach 2017 que consacre cette édition de Cameroun Vision. Comme vous l'a dit, redirection Yaoundé à l'instant pour voir à quoi aura ressemblé l'étape des castings du côté de la région du centre. Club Camtel de Yaoundé, nous sommes en plein centre de la métropole politique du Cameroun.
qui accueille la quatrième étape de la grande caravane du casting Miss Beach 2017. Bienvenue au casting de Yaoundé Miss Beach 2017. Nous vous dédions ce casting et que tout puisse bien se passer. Nous entendons dérouler la cérémonie et que la fête soit belle. Il est question ici de sélectionner les 5 candidates qui représenteront la région du centre à la grande finale nationale de mai prochain au Semi Beach Hotel de Limbé. Dans l'attente, le stress et la pression peuvent se lire dans le regard des candidates qui, somme toute, se montrent courageuses et optimistes. Je m'appelle Eda Stella, j'ai 24 ans. Je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1. Bon, ce qui m'a amenée ici, c'est que j'aime la plage, j'aime bien me pavaner en maillot de bain et j'aime la compétition. Les concours de beauté, c'est tout moi. Et j'aime aussi m'amuser. Et Miss Beach serait l'occasion pour moi de découvrir la ville de Limbé. Hello, I'm Paulina Christine Mapubimongo. I'm student at University of Yaoundé Tchoussoa, student private law. Si je suis aujourd'hui au club comme tel, c'est pour l'élection de Miss Beach pour représenter la région du centre à la finale. Je suis très confiante, très sûre de moi et j'ai un peu le trac parce que je vois d'autres filles qui sont toutes belles, toutes jolies, donc ça fait un peu boum boum au cœur. J'encourage d'autres filles qui ont peur de faire ce genre de compétition à venir tester leur chance parce qu'on ne sait jamais, la roue peut tourner en leur faveur. Merci. Non, merci. Vous êtes en compétition. Vous êtes en direct, hein? Non. Bonsoir, je me nomme Belobo Simone. J'ai 21 ans, je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1, Ngwekeli. Bon, si je suis arrivée ici à Miss Beach, c'est parce que j'aime bien les concours de beauté et aussi pour promouvoir la culture camerounaise, en particulier celle de ma tribu, qui est celle de Bechi, en particulier Uwondo. Et j'aimerais aussi découvrir beaucoup d'endroits donc, que je ne connais pas au Cameroun, à l'instar de Limbé, certaines plages. Et parce que quand tu es dans une compétition, tu fais de nouvelles rencontres. De nouvelles copines, comme par exemple Rose Blanche. Bon après-midi, moi c'est Rose Blanche Carrel Jussie, j'ai 19 ans. Bon, je viens tout juste de souffler sur ma 19e bougie. Désolée d'avoir mangé le gâteau seul. Hein. Bon, je suis ici dans le cadre de Miss Beach 2017. Et ici, on s'amuse, on passe du bon temps avec les nouvelles personnes qu'on rencontre. On se côtoie, on échange, oui. Ce qui m'a amenée ici personnellement, c'est mon esprit de compétition. Je suis ici pour promouvoir non seulement la culture du pays Bamileke, et aussi de montrer qu'en étant une fille, on peut être quelqu'un, on peut briller, on peut être un modèle. Aussi promouvoir la culture camerounaise. Moi, c'est Asma Oussoulé, j'ai 24 ans et je suis à l'université de Yaoundé 1. Bon, je suis ici parce que je veux gagner le concours Miss Beach. Et en tant qu'il y a les plages, les lacs dans mon village à Foumbane, j'aimerais promouvoir les lacs. Et j'aime bien la plage. And to you, my dear friends who are speaking English, to you, Edna, if you're watching me, to you, Quinta, to you, the rest of my friends, I pray you vote for me because I came here to win. Thank you. Bonjour, mon nom est Maduche Stéphanie, étudiante à l'université de Yaoundé 2, option droit public niveau 2. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de me présenter au casting de Miss Beach, c'est d'abord pour moi comme un challenge personnel parce que voyez-vous, on m'a toujours dit que je n'étais pas présentable, je n'étais pas trop belle. Et puis j'ai décidé aujourd'hui de montrer à tout le monde que je peux. Alors papa, si tu me regardes, regarde bien ce que ta fille va faire aujourd'hui. Les coaches comme elles peuvent font leur boulot, elles remettent en confiance, préviennent sur d'éventuels cas de figure et surtout, instruisent avant la montée sur scène. Votre attention s'il vous plaît, c'est pour votre bien. Quand vous allez commencer à défiler, il y aura des vitesses. Pour le défiler, vous allez sortir et aller directement derrière la piste. Quand vous allez arriver devant le tapis, vous allez les vitesses pour montrer la marche à suivre. Vous allez passer par vous de titre.
il y a un premier groupe, un deuxième groupe et un troisième groupe. Donc, Miss Beach est à ce jour le plus grand concours de beauté pour jeunes au Cameroun. Créé dans le souci de promouvoir la beauté africaine à travers la jeune étudiante, incarnation de l'intelligence. Je lui souhaite juste beaucoup de courage, qu'elle garde le calme et qu'elle ne stresse pas trop. Nous sommes ici à Yaoundé et nous clôturons dans quelques jours à Bouya. Membres du jury et équipe technique sont bien installés. Les hostilités peuvent donc être lancées avec le premier passage en maillot de bain. Un passage collectif en vague de 10 candidates d'abord, et ensuite chacune à son tour. La candidate numéro 1, il s'agit de... Démarche, coiffure, taille conforme au poids, esthétique et sourire en sont les critères pour espérer être des 10 qui passeront au second tour. À sa suite, on accueille la candidate numéro 2, Angola Dominique. En même temps que le public. Et je vais passer la parole à Mme Feuzeux qui va me donner les noms des trois premières retenues pour le deuxième tour. Merci au président du jury. Et on va commencer par Lincoln Marie.
Mandouche Stéphanie. Nous avons donc là nos 10 candidates qui rivaliseront à l'étape finale devant consacrer les 5 ambassadrices de la région du centre. Nos finalistes se retireront le temps de quelques minutes et les voilà de retour pour le passage final en Mote Ethnosheet. Les mêmes critères reviendront gouverner la première phase de cette deuxième séquence, à savoir démarche, coiffure, taille conforme au poids, esthétique et sourire. La seconde phase de ce deuxième passage consacre l'intellect. Bienvenue au jeu de questions-réponses entre jurés et candidates. Je m'appelle Étonne Domaine Stéphanie. Je suis étudiante en master en relations internationales à l'Institut des relations internationales du Canada. Mon projet que je porterai en tant que Miss Biche, ce serait la sensibilisation des jeunes filles par rapport à l'acceptation de leur forme, de leur teint africain. Merci. C'est Ngana Leslie. Mon nom c'est Ngana Tonton Leslie Christelle, étudiante en première année à l'ESTI, École supérieure de sciences et techniques de la communication, filière communication des organisations. Je voudrais déstéréotyper les gens qui pensent qu'une Miss doit forcément être 1m80, 2m, et puis afin que les filles pas très grandes de taille puissent se sentir à l'aise aussi dans leur peau. Merci. J'ai pas bien suivi, hein. C'est Maurice, c'est pas qui, c'est Maurice. J'ai dit professeur Maurice Soso. Je suis à l'université de Yaoundé 1, Wekele, s'il y a géographie niveau 2. Bon, puisque vous êtes dans le secteur, on va dire quoi, de la géographie, entre guillemets, est-ce que vous pouvez donner le nom de deux villes de l'Ouest du Cameroun? Nous avons Bafon. Et nous avons aussi... Bonjour. Merci madame, cher public, chers membres du jury. Mon nom c'est Maduché Stéphanie, étudiante à l'université de Yaoundé 2, option droit public niveau 2. Je ne suis pas étudiante, mais je suis en formation en génie civil et en stage dans une entreprise de la place que je préfère ne pas citer. Et j'ai 19 ans. J'ai été aussi à l'université de Yaoundé 1 et c'est tout moi. Merci. Pouvez-vous citer trois festivals répartis sur les trois aires culturelles de la zone sud-américaine, la zone de Grassfield et la zone du littoral? Je vais citer Ngon, qui est le festival culturel Bamoun. À Douala, je vais citer Longondo, qui est le festival Douala, et au Sahel, la zone sahélienne. Désolée, j'ai un trou de mémoire. Merci. On va inviter ici le membre du jury pour nous donner les résultats. Est-ce qu'on peut applaudir pour les 5 finalistes de Yaoundé? Moi, je vais parler un peu avec... Finalement, on a quand même pu retenir 5 candidats, mais j'avoue, pour une fois, je sors d'un casting avec un léger mal de tête, parce que ce n'était pas évident du tout de choisir parmi les 5 candidats, car les 10 méritaient amplement de passer. Mais bien, comme il fallait bien choisir 5, on a choisi les 5 qui vont représenter la région du centre. Tout d'abord, c'est un sentiment de fierté, aussi un énorme poids à porter, car nous devons représenter toute la région du centre à Limbé, puis aussi faire nos marques en fait. Déjà, c'est un réel plaisir d'être Miss ce soir, Miss B, d'être parmi les finalistes et de pouvoir représenter la région du centre. Déjà, je pense et je me dois d'avoir les compétences et les atouts nécessaires pour le faire à la grande finale. Donc, soyez nombreux à me voter. C'est vraiment un réel plaisir d'être Miss Biche.
c'était pas facile déjà avec les filles qui étaient toutes magnifiques, mais je pense que le jury a fait son choix et puis voilà, donc du coup, rendez-vous à l'Imbert pour le concours. En fait, pour moi, c'est un réel plaisir d'être Miss aujourd'hui parce que c'est le couronnement de beaucoup d'efforts. C'est pas aujourd'hui que je prépare cette émission, comme je l'ai dit dans mon discours. C'est depuis, ça fait 2 ans aujourd'hui que je la prépare. Donc, si aujourd'hui j'ai été sélectionnée, c'est pour moi comme la récompense à mes efforts. C'était déjà une première expérience de voir les Miss défiler. Depuis, j'ai été sollicité à venir voir. C'était bien. C'est vrai, il y aura encore beaucoup de choses à faire déjà sur au niveau des filles pour qu'elles puissent travailler, pour que le centre soit mieux représenté. Déjà, c'est bien le travail que vous faites. C'est Miss Beach qui organise l'événement. Pour ça, c'est encourageant pour la culture camerounaise déjà. Je lui souhaite beaucoup de courage, qu'elle reste toujours déterminée, qu'elle reste posée, calme et concentrée, super concentrée. Mais qu'elle n'oublie pas de s'amuser parce qu'on va d'abord là-bas pour s'amuser. Nous voyons davantage que Miss Beach est en train de grandir. Nous prenons de l'ampleur. Et avec l'avènement de Miss Beach Tour, nous allons davantage grandir. Nous voyons ici la maestra de M. Anokoyan qui fait des pieds et des mains pour valoriser la culture camerounaise et nous lui en sommes extrêmement grés. Voilà. Après Douala, Bamenda et Chang, Yaoundé vient de faire ses vagues. Ces 5 candidates sont désormais connues. Rendez-vous le 29 prochain du côté de Bouya pour que le coran soit atteint et le grand rendez-vous de la finale est bel et bien prévu, comme vous le savez, pour mai prochain du côté du Seme Beach Hotel de Limbé. Voilà, palmiers comme à l'image à l'instant, mais aussi strass, paillettes, bikini et autres Bermuda en seront les ingrédients. Là, on parle bel et bien de la grande finale du Seme Beach Hotel de Limbé en fin mai prochain. Voilà, les protagonistes des régions du littoral, des régions du nord-ouest, de l'ouest et du centre étant désormais connus avec cette étape de Yaoundé que nous venons de consacrer, on va dire, en dernière partie dans cette émission, spécialement consacrée au casting de l'élection Miss Beach édition 2017 et 9e, on va dire, de la série. Avant de se quitter, on va se faire le devoir de remercier toute l'équipe de la caravane Miss Beach, on va dire, édition 2017. On fait un petit coucou à notre ami Joël Ewande qui a été, on va dire, à la base de plusieurs des images que vous avez regardées, hein, notamment les étapes du nord-ouest et de l'ouest. Merci à toi, Frangin. On va faire aussi un petit coucou à la petite Ange Gabrielle qui nous regarde certainement, on va dire, du haut de ces quelques mois, du côté de Biémassi, on va dire Ange Gabrielle Kamla pour être plus précis. Un petit coucou aussi à son papa, le commissaire Kamla qui lui aussi nous regarde aux côtés de sa charmante épouse. À l'instant. Merci d'avoir été des nôtres. On n'oublie pas la famille Zoudier du côté de Bafoussam ainsi que tous les protagonistes de Zoudier Limited. Ils savent bel et bien de quoi je parle de ce côté-là. Merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir de vous compter au nombre de ceux qui ont découvert le Cameroun, on va dire, en bikini pour aujourd'hui, c'est le cas de le dire, tant est que l'édition était consacrée au casting de l'édition 2017 de Miss Beach dont la finale aura lieu, je vous l'ai dit, du côté de Limbé. Ce sera en mai prochain. Mais en attendant, nous irons du côté de Bouya pour la dernière étape de cette caravane des différents castings pour, on va dire, recruter tout simplement les 5 dernières qui viendront compléter la grande liste de cette finale. Merci d'avoir été des nôtres, je le redis de suite, et merci de nous revenir très prochainement pour d'autres découvertes sur Cameroun Vision. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez, et surtout pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Et les bonnards.